se trouve devant ou derrière l'autoroute A20, hein, sur les travaux préparatoires du franchissement de l'autoroute A20, de la prolongation de la voie des Eaux Nord, dont l'objectif est de relier bien sûr la grande pièce à la zone industrielle nord, mais également de permettre aux habitants qui sont à l'est, Rillac, hein, qui sont les plus proches, de traverser l'autoroute s'ils veulent venir travailler en zone nord sans passer par les fameuses lunettes de Grosseray qui sont de plus en plus encombrées. C'est une deux fois une voie classique, hein, une voie de 7 mètres de large, mais qui sera bordée effectivement par une piste cyclable et un passage piéton, parce qu'aujourd'hui on n'a aucun lien direct pour les modes doux de part et d'autre de l'autoroute A20 sur le secteur. Donc là, on est en phase de travaux préparatoires, on est sur les pré-terrassements, on a évacué déjà beaucoup de matériaux. Et en parallèle de ça, on a le réseau d'eau pluviale qui est en train de se faire dévier via une opération un peu spectaculaire, puisqu'on pousse des tuyaux de 1,20 m de diamètre sous l'autoroute A20, avec une vis à l'intérieur qui retire les matériaux, et le tuyau avance au fur et à mesure pour aller rejoindre un puits de sortie qui a été fait de l'autre côté. Longueur totale, 45 mètres. On arrive à peu près 9 mètres jour, lorsque le terrain s'y prête bien. On raccorde ici aujourd'hui à la jonction entre la rue Jagodet et la rue Frédéric Bastia sur une infrastructure existante qui était en partie plus utilisée mais qui va l'être maintenant puisqu'on va refaire une sorte de grand giratoire qui va permettre de connecter à la fois le centre routier, la rue Frédéric Bastia, donc la voie de liaison nord et également la rue Jagodet. Comment ça va se passer cette percée à ce moment-là ? On est sur une opération, je dirais, coup de poing qui a été choisie, qui a été demandée également par la DIRCO, histoire de perturber au minimum la circulation sur l'autoroute A20. Donc là, on est en phase de consultation, les entreprises sont en train de plancher pour nous faire la meilleure offre possible, bien entendu. Donc on aura un tunnel qui sera divisé en gros, on va dire, en trois éléments. Un tiers qui sera construit de façon traditionnelle de l'autre côté de l'autoroute A20 sur la rue Guy Mocquet actuelle. Donc là, on va ouvrir la rue Guy Mocquet, construire le tunnel et refermer. En parallèle, sera construit ici, du côté du centre routier, deux éléments de tunnel qui vont être l'un derrière l'autre et qui vont être construits à côté sur une plateforme. Et un vendredi soir, on fermera l'autoroute, donc normalement fin septembre, début octobre, on fermera l'autoroute. Et là, pendant 106 heures, l'entreprise qui sera missionné, devra évacuer tous les matériaux qui sont sous l'autoroute, environ 12 000 m3, riper le tunnel sous l'autoroute, reconstruire la remblée, ce qui est une opération très délicate, refaire l'autoroute, et normalement le mercredi suivant à 6 h du matin, on pourra réouvrir l'autoroute. C'est au total 106 heures, c'est un défi pour l'entreprise, 106 heures non-stop pour faire ce tunnel et traverser l'autoroute. Mise en service prévue à peu près quand, Jean-Paul ? Début 2016. Si tout va bien, début 2016, puisqu'une fois qu'on aura fait le tunnel, il faut faire la route dessous, faire les réseaux, faire les aménagements paysagers et ouvrir cette route. Donc normalement, si tout va bien, au printemps 2016, on aura cette route en service.